Salut à toutes et à tous, ici Mordecai et on se retrouve pour une petite vidéo sur Pro Gamer Manager. On va faire un nouveau gamer où on va évoluer sur le jeu qui est ici qui s'appelle donc Foba et on va évoluer et devenir un pro gamer tout simplement. Alors, nickname gamer Mordecai. Ok, le tab ne marche pas. Bon, allez, on va mettre ça. Parce que la team dans laquelle je joue s'appelle 40 cm de douleur donc voilà quoi. À un moment on va faire ça. Âge 18, quel est mon âge et je suis français. Allons-y. Donc on commence, j'espère que le son est pas trop fort. On verra ça après. Fort bien. Le petit chargement. Qui m'a l'air un peu long. C'est bon. Ah, on va voir. Ici, à l'énergie, on a reçu un petit mail. Je suis Dylan Étoile, j'ai de 18 ans et je viens juste de commencer à jouer au jeu qui s'appelle Foba. Dans le jeu, je suis connu sous le nom de Mordecai. Foba, c'est le jeu le plus populaire sur la planète et tu peux pas t'empêcher, tu peux pas arrêter d'y jouer quoi. Fort bien. Donc, on va commencer par une petite game normale. On va jouer un champion support. J'ai pas du tout regardé la tier list. Bon, du coup, on va jouer à. Voilà. Alors, Stein. Ok, moi, je vais jouer à un champion utilitaire. Je vais jouer avec. Je peux pas descendre. Il y a que ça comme champion. Oh, il y en a pas beaucoup. Ah, ok, ça doit être des champions support, je pense peut-être. Sûrement. Du coup, moi, je vais jouer avec. Ah, oh, je vais jouer avec Petit Cochon. C'est le healer, voilà. Donc bah on va se focus sur la synergie des champions. Donc support, bon mon AD carry c'est Aist, bien connu dans le milieu hein, un des meilleurs. Du coup ah ouais on voit, non on n'a pas de tank et ils ont une team assez balanced. Du coup ça va être chaud, du coup on va jouer assez défensif. Je vais rester avec mon ADC et je vais protéger la backline. Ouais on va faire ça. Alors un petit clic, on entend un peu du petit clic, le mec un peu chaud. Alors attention, et oh, c'est la grosse défaite du 2-15, c'est vraiment fou. Alors il y a une personne qui a kiffé ma performance, elle me suit maintenant, voilà, c'est mon premier follower. Je t'aime. Ok, donc passive farm in the face, knockback team fight. Et on a gagné le premier team fight. Ou alors on l'a engagé, je sais pas du tout. Très bien, donc ça c'était juste histoire de faire la game de départ. Donc on va faire attention. C'est Foba News, la tier list. On va regarder la tier list. Fort bien. On va faire une impression d'écran. Ensuite, on va ouvrir Paint. Paint. Ok, juste 2 secondes en fait. Hein. Je mets juste l'impression d'écran sur Paint. Histoire d'avoir la tier list sur le deuxième screen. Voilà, hop, hop, ça on le descend un petit peu, on peut y aller, on est parti, me revoilà. Alors, hop, ok, on va décaler ça un peu sur le côté comme ceci. Ok, c'est bon, on est reparti. Donc actuellement, ce qu'il faut, c'est qu'on joue des games en support pour qu'on puisse changer de poste et on va partir sur la mid lane. Voilà. Into any team with any comp and can carry alone. Donc on va partir sur un petit carry tout seul et on va rejouer. Hein. Donc celui-là, il carry tout seul. On me dit. On va partir sur la force du champion. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de rage. Bon, là, j'ai le meilleur. Non, là, je suis en SS. Sans jouer de Monazi, on peut faire des choses. On n'a pas de disengage et ils n'ont pas d'initiation. Ah, c'est bête. C'est-à-dire que nous on a de l'initiation, mais on n'a pas de disengage et eux ils n'ont pas d'initiation, mais ils ont du disengage. Du coup, ça va être compliqué. On va faire comme ça. Je vais roam avec le jungler. Et puis en teamfight, je vais. Mais ils n'ont pas d'initiation, du coup je vais protéger la frontline. Je sais pas vraiment si c'est bon ce que je fais, mais bon, on vient de commencer. Alors ce serait cool de voir. Non, ça c'est bon. Est-ce que c'est pas un choix fantastique? C'est la première victoire donc.
Voilà, est-ce que je pèse, est-ce que je pèse pas, on peut le dire, hein. Donc voilà, on a pas eu la première grosse bébête, c'est dommage, mais c'est quand même la première victoire où on a récolté quand même 10 fans sur cette victoire. Alors là, est-ce qu'on n'est pas over the top à ce moment-là? Je me pose la question, vraiment. Donc voilà, on va continuer. Du coup là, toute la rage est partie, hein. La rage a l'air de s'en aller avec les victoires. Du coup, on va regarder un peu de Phoba. Alors, est-ce qu'il y a un négro qui joue mon monstre? Belzarth, Akko, Wingman, Cafou, Cafou. Le brésilien. Oh putain. Ah, c'est pas possible ça. Bon allez, on va regarder l'allemand. On apprend. Et on apprend encore. Fort bien. Pour l'instant, un début pas si mal, vu que bon, deuxième game, une victoire. Voilà. Hop là. Donc là tout de suite, ce qu'on va faire, c'est on va re-regarder du Phoba avec ce même allemand, on le kiffe cet allemand. C'est le mien, c'est mon poteau. Bon, sur le côté par contre, le rendu XPIC, il a l'air un peu moins beau que le jeu que j'ai. Bon, c'est dommage, on verra. Ok, bon là il est crevé. Fait dodo mon négro. Et donc c'est la fin du premier jour. Voilà, donc premier jour de petite game. On a regardé un peu le streaming. On a regardé un peu les PGM qui jouent et puis on est parti se coucher. Alors ensuite, why did you bushroot early OMG? Please learn to play. Radi. Je regarderai sur le record voir qui c'était. Et Cindy, pourquoi j'ai acheté ça aussi early? Bah écoute, m'en fous, on a gagné en fait. Donc tu calmes le pénis quoi. Ok. Nanana. Donc play Phoba, watch Phoba, non là on va rechercher, on va learn a role, parce que moi je veux bien prendre un rôle, moi je veux jouer sur la mid lane, c'est ma mid lane, ok on se calme. Et moi je vais mid mon écran. Du coup voilà, on griffonne un peu un bout de papier, et du coup d'un coup, oh my god, nous sommes devenus mid laner. C'est parfait, donc on a perdu la moitié de notre énergie, bon, c'est parfait. Alors, du coup, le top c'était le petit oiseau qui n'est pas là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Attendez, je vais regarder ça rapidement. Hop. On revient là. Alors, après, on a l'oiseau ici. Il me semble que c'est celui-ci. Il se ressemble pas. Est-ce que tu essaierais pas de te foutre de moi, toi? Ça m'embête qu'on ait que ça comme champion en fait, parce que bon, c'est perturbant quand même. Ah oui, mais c'est parce que j'ai changé de tier lead, enfin j'ai changé de, je vois mauvais. Bon du coup on va partir un peu au hasard là sur la top lane, vu que tout à l'heure c'était la tier list en fait des supports fans de la mid lane. Du coup là c'était là on va sur la mid lane. Alors je vais jouer avec Varpa. Bah du coup on va jouer avec les alliés hein, parce que là on est pas chaud. XX Cloudy, il est chaud. Ok, alors le mec s'appelle Ok. Calme. Bon, il a chopé le mouton. Bon il a un mouton, on a gagné. Bon on a pas de dégâts, ils sont balanced. Du coup là on va la jouer passive. Bah on va faire ça. Et on va disengage. Et je le sens bien. Après on va regarder la tier list et je vais refaire un screenshot parce que cela ne m'aide pas. Oh la grosse fête. 8-8-15, c'était quand même assez serré. On a gagné cette fan, donc voilà, Mordekai disait. Ah tiens, en fait j'ai chopé l'autre mid laner et je l'ai un peu cassé en deux en fait. On peut dire que c'est ma team qui a fail en fait. Eh oui. Best farmer, c'est mon équipe et c'est le mid laner, c'est moi qui farm le mieux mon héros. Et ouais. Keep that in mind, bitch. Alors, watch. Ouais, donc c'est bien ce que je me disais. La tier list que j'avais tout à l'heure, c'était la tier list des supports. Du coup, on va faire ça ici. Voilà. Hop. Là, c'est pas mal. C'est bon. Du coup, j'ai récupéré la vraie tier list. Celle qui est la vraie. Enfin, il n'y a pas de fausse, hein, mais c'est celle que je vais utiliser moi. Donc, on va voir mon profil.
Ok, donc je suis pas fou, mais j'ai pas mal d'objectifs contrôle. Du coup, ça va. Allez, on va toi. Alors, nous allons jouer. Je vais piquer un champion. Je vais piquer elle, parce qu'elle est cassée. Alors, elle me dit que je peux carry. Hein. Donc, moi, je vais le démonter, quoi. Allez, on va voir. Bien. Je joue contre l'œil. Alors, c'est un S+, l'œil en face de moi. Ils ont pas pris d'autres champions. Le balance de la mid lane, il est pas mal. Donc, on a tous les deux une balanced team. Du coup, balanced. Je vais flank. Et je focus sur tuer le mid laner adverse. Parce que ils disent que, avec n'importe quelle composition, je peux carry tout seul. Donc voilà, est-ce que je peux carry tout seul? On va voir ça tout de suite. Et bah bien sûr, 23-5 mon gros, 23-5, je les ai défoncés. Ça avait l'air tellement facile, nous dit Ian Allison, âgé de 26 ans, spectateur, c'est pour moi. Du coup, 14 fans, 16 points de recherche, excusez-moi. Et du coup, on les a tous défoncés, sauf sur le premier gardien d'or. Bon, voilà, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve avec 14. Au niveau des recherches, c'est 15 pour maîtriser un champion. Mais là, on est crevé, du coup, on va aller dormir. Et boire et manger. Genre les frites, le petit embu sur les livres. Genre, tu vois, ça, c'est pas mal. Humanity to sleep. Bah, bien sûr. Alors, si tu es fatigué, tu peux aller dormir, bien évidemment. Donc là, on va re... Oh, j'avais pas vu. Ah, dommage. Bon, bah, je regarderai mes mails après. On y va. On les démonte. Au niveau de la tier list, là, il a pécho un champion de niveau A. Du coup, bah, on va focus sur tuer le mid laner en jouant agressif. On y va, là. Attends, moi, j'ai un champion de tier list SS. Donc, c'est le number one, numéro uno, tu vois, over 9000. Et... Elle a pris, enfin lui ou elle hein, en face a pris type A, donc c'est sûr que je le démonte. Donc voilà, là je lui marche dessus, c'est la famille, je l'ai cassé en deux, je suis le meilleur farmer, j'ai gagné plus de teamfight et tout. Du coup, c'est pas mal, 22-16, c'est pas mon elo, c'est pas mon elo. Voilà, c'est tout. Chasing in late phase, crowd control, genre on a dirigé la foule quoi, on les a fait faire ce qu'on voulait. La grosse fessée, rien à dire de plus. Du coup, là, on va master un champion. Voilà. On va master Nalan. On va être One Trick Pony Nalan, hein, je vous le dis. Là, on est vénère. Je vais juste check ça rapido. Ok, c'est bon, on est reparti. Du coup, on va jouer. Oh là là, j'ai encore oublié de regarder mes mails. Bon, c'est pas grave. On va jouer notre pile de confort. Hein. Avec la force, hein, bien sûr. Parce que bon, on change pas une tactique qui gagne. Oh, le petit cochon. C'est celui qui... Il est trop bien. Ok. On n'a pas d'initiation. Eux non plus. Du coup, on va faire comme ça. Moi, je suis balanced. Je fais un... J'ai pas vu le mid laner qu'il a pris en face. C'est dommage. Du coup je vais flank. Alors ça sent la défaite là, parce que j'ai pas été fou au niveau des trucs. De toute façon tous les deux on n'avait pas d'initiation. Du coup s'il faut je me suis trop commit et on perd à cause de moi. Et non, c'est la victoire, 17-13. Bon là c'était un peu plus serré que les autres. Mais voilà, genre that's a superstar player that delivers. Est-ce qu'il parle de moi? Je pense bien. Bon apparemment il y a eu le meilleur joueur, c'était le mid laner adverse. Le meilleur farmer, c'était un autre mec de l'équipe adverse, je sais pas quel rôle c'est. Le AD carry, c'était le plus nul. Donc voilà, il semblerait qu'on ait gagné sur un gros cheese, quoi. Fort bien. J'acquiesce. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il me dit. Ok, ouais, bah, là, du coup, il y a beaucoup de fans qui me regardent parce que bah, j'écrase mes ennemis, on peut le dire. Du coup voilà, alors ensuite on va quand même check après parce qu'il me semble qu'il y a une histoire de dépenses tous les mois, machin, ou toutes les semaines. Donc on va faire attention à pas perdre tout ça. Alors on va voir, house, ok. Ensuite nanana, profil, ok c'est mon champion, je vois. Voilà, arbre des talents, voilà, carrière, j'ai pas de team. Je
suis 41 millième. Ok. Là, on va rechercher une team. Déjà. Et on va aller jouer, tout simplement. On va jouer sur notre pic de confort. Hein. On va un peu. Voilà, One Trim Pony, ce champion. Voyons voir. En face de moi, elle a pris un champion S. Donc, c'est pas mal. Mais bon, normalement, je devrais quand même lui marcher sur la gueule. Alors, early game, et eux, ils ont une balance. Donc, early game, on est agressif, on tue mid laner. Et on flanque les batailles. Ça me va. Alors là, on peut voir. Voilà, il y a le mouton sur l'écran. Plutôt drôle. Ah, c'est la défaite. 1-12 en plus. Alors là, je me suis fait marcher dessus. Was really unlucky. Eh ben, j'étais unlucky, bien sûr. Attends, c'est mon équipe, elle a rien fait. Le jungler, il a jamais gank. Enfin, voilà quoi. Ok. C'est moi qui ai pris la première tour. Bon, et eh bien, première défaite avec celui-là. Moi, j'ai été unlucky. Unlucky. Ça arrive. Pas une mail. Pas de mail. Ok, bon, là, je suis unlucky. Donc, on va pas jouer parce qu'on a un peu de rage en nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des gens qui jouent mon champion. Mais il n'y en a pas. T'es sérieux? Et c'est le top du top des champions. Attends, ils ont pas changé la tier list quand même. Ils ont pas fait squad. Bah non, il y a personne qui joue mon champion. Fort bien. Fort bien, fort bien. Donc on va regarder un mid, hein. Mais lui il joue des champions chelous, genre son meilleur champion c'est un B+, après celui-là c'est un A, alors que moi je joue la tier list quand même. On va regarder Bjergsen. Bjergsen, toi tu sais. Là on apprend, on apprend. Là on vient de voir une technique de farm incroyable, avec ça on va tout déchirer. Du coup voilà. On va finir la journée et c'est là-dessus qu'on va terminer la vidéo. On va jouer un petit coup, on va jouer sur notre pic de confort. Moi j'ai pas pitié. Hein. One Trick Pony comme un gros schlag. Ok, alors. Plain jungle, ok. Ah, j'ai essayé de décaler ça. On va... Alors voilà. Alors, on a une full AD team, eux ils ont pas de dégâts. Bon, ils ont pas de dégâts. Du coup, comme ils ont pas de dégâts, on va jouer agressif. On va tuer midliner. On va détruire la frontline. Alors là, on a un petit coup de kick. On y va, on est parti. Écoutez, j'aime beaucoup ce jeu en tout cas, je trouve que ça me fait penser à 24-20, donc voilà, un peu du marchage sur le faciès, genre il a mis sa tête par terre, il m'a dit s'il te plaît, mets-moi la marque de ta semelle sur le front, tu vois. Voilà, donc best player, bah c'est moi. Eh oui, c'est moi. Du coup voilà, c'est plutôt nice. Du coup, est-ce qu'on a encore la patate? Allez, on refait une game, on a la patate violent, on joue sur notre pic de confort. Ah, c'est Pietram notre ADC, voilà. En face, on a quand même du Shonibu. Du Shinobu, voilà. Alors on va voir lui en face, il a pris un, il a pris quoi comme tiers que je voyais quand même. Alors ils ont une early game team, nanana, et il a piqué un mid laner. Il... Attends, j'aurais voulu, il est même pas dans la tier list. Ouais, il doit être encore plus bas dans la tier list. Ok, donc bon, c'est early game, du coup on va jouer normal. Et comme c'est une team early, je vais jouer pour la tour. Non, je vais invade la jungle. Et je vais disengage. Voilà. Ils sont une team early game, donc au début, voilà, on va un peu invade la jungle. On va la jungle. Et là, grosse défaite. Hein. Et bah ouais, 5-19. Ennemi mid laner, Godfield, Snowball, Insanity. Et ouais. Dommage, dommage, dommage. C'était la défaite. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime. Et puis, si vous voulez vous abonner, voilà, voilà, tout ça, tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était l'épisode 1 de Pro Gamer Manager. Allez, peace!